Bonjour, bonjour à tous. Merci Florian pour cette présentation très sympathique. Merci la FUP, je suis honorée d'être ici devant vous pour vous parler de revue de code. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de vous être senti un peu blessé ou vexé par un commentaire sur votre code? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y penser plus longtemps que le temps que vous avez pris pour régler la petite typo ou le petit fixe qu'on vous pointait? Alors moi, ça m'est déjà arrivé et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Laure, je suis développeuse back chez Bedrock. Je suis également membre du CHESS, qui est un réseau de femmes dans l'IT. Évidemment, je suis adhérente à FUP. Et je fais partie d'une orgare qui organise Mixit, qui est une conférence qui a lieu à Lyon une fois par an. N'hésitez pas à soumettre des sujets si vous en avez ou à venir m'en parler. J'aime le cinéma de genre, les fanzines, les BD. Et puis surtout, je suis croix-roussienne. C'est un peu comme lyonnaise, mais en mieux. Blague de lyonnais. Alors, quand on parle de revue de code, de quelle revue de code on parle? Parce qu'en fait, de la revue de code, on en fait tout le temps quand on est développeur ou développeuse. On en fait en réunion technique, quand on parle d'implémentation de solutions techniques, quand on revoit l'architecture de nos projets. Et on en fait aussi donc via la revue du delta du code. Donc ça, c'est de ça dont on va parler. Donc c'est quand, entre pairs, on regarde le code qu'on propose à ajouter au tronc commun. Donc des ajouts de code, des modifications, des suppressions, bref, tout ça qu'on a l'habitude de faire en général via des outils comme github.com. Donc là, on a un exemple de code de ligne modifiée proposée en verte et on a un commentaire en dessous. Donc pour discuter avec la personne qui a soumis le code en lui suggérant des choses. Ici, on est sur GitHub, on fait des pull requests, il y a d'autres outils. Par exemple, GitLab, interface un peu différente, mais même concept. Hein, on voit la différence du code proposé et on peut mettre des commentaires. Sur GitLab, on fait des merge requests, mais vous voyez, l'idée est la même. Il y a d'autres outils, Azure DevOps, Bitbucket, voilà, il y a plein d'outils. Alors, il y a quelques mois, je travaillais chez Elao, qui est une agence web à Lyon, bien sûr, où travaillent 12, 15 développeuses et développeurs. Par projet, on était 2, 3 max à travailler. Et j'ai rejoint Bedrock, donc là, changement d'équation, parce qu'il y a plus de 80 développeuses, développeurs, et rien que dans ma team, on est 9. Donc l'équation changeait quand même pas mal. Quand je proposais mon code à la review chez Elao, j'étais plutôt comme ça, tranquille, on se connaissait bien. Quand les commentaires prenaient plus de 2-3 lignes, on allait se voir, boire un café, on parlait, on faisait du pair programming, voilà, c'était plutôt tranquille. Et avant d'arriver chez Bedrock, je dois avouer que j'étais un peu anxieuse. Je me demandais comment ça allait se passer. Je savais que toutes les personnes de la team faisaient de la review. Et je me demandais quelles paires d'yeux allaient se poser sur mon code. Comment est-ce qu'ils allaient réagir? Quels commentaires est-ce qu'ils allaient m'écrire? Comment ça se passerait? En plus, j'ai appris donc que les reviews allaient avoir étaient en anglais, qui n'est donc pas ma langue maternelle, mais qui potentiellement pouvait rajouter des risques de quiproquos, de malentendus. Évidemment non intentionnel, mais ça peut arriver. Je vous spoil, tout se passe très bien. les reviews se passent très bien, notamment car j'ai découvert que mon équipe utilise un standard qui est celui des conventionnels comments, que vous connaissez peut-être avec les conventionnels commits ou autres, et qui a beaucoup facilité mon intégration et mes interactions avec les personnes de l'équipe. Et donc, on va en parler. Alors, revenons un peu aux sources d'abord. Pourquoi est-ce qu'on fait une revue de code? Donc, on fait une revue de code, a priori, pour améliorer la qualité globale du code. On veut aussi améliorer la lisibilité. On va aussi chercher à appliquer les standards de la team. On va chercher aussi à détecter les bugs, si possible, avant qu'ils passent en prod. On améliore aussi la collaboration et la communication entre l'équipe, parce que du coup, en regardant le code des autres, on sait ce qui se passe sur notre projet. On va former des personnes
On va se former nous-mêmes en recevant des commentaires, et puis on va partager les responsabilités. Donc en approuvant des pull requests, tout le monde partage la responsabilité du code qui va être poussé dans le tronc commun. On peut tirer parti des outils pour soulager les humains pour tout ce qui n'a pas forcément de valeur ajoutée d'être écrit par un humain. Donc je pense par exemple au linting, à la présence ou non de test, etc. Tout ça, c'est bien pour quand même se soulager. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plus agréable de recevoir un commentaire de la part d'un robot qui me dit que mon indentation est bof ici, plutôt que de la part d'un humain qui a pris le temps de voir ça et de me le dire, parce que moi je ne l'ai pas vu en vérifiant mes fichiers. Bon, alors vous allez me dire, on n'a aucune raison de souffrir. On se pose des questions, on s'aide mutuellement, on partage l'information. En principe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, comme moi, vous savez. Parfois, on peut manquer d'empathie. On peut se sentir plus compétent en critiquant les autres via les commentaires. On peut aussi vouloir se rassurer, parfois en se montrant plus qualifié. Et puis, on peut être habitué aussi à cette culture de la compétition entre nous. Parfois, du coup, on souffre. Les commentaires peuvent être laborieux à lire ou à écrire. Il peut y avoir des maladresses et des incompréhensions qui nous font perdre beaucoup de temps sur une feature, alors que ça n'aurait pas vraiment lieu d'être. Et puis, on peut avoir des retours cruciaux noyés dans d'autres tours, en ne sachant plus vraiment quelle est la priorité. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien sûr qu'on peut faire mieux. Donc, je vous parlais du standard des conventional comments. Avant ça, je voulais vous parler d'une posture qui, pour moi, est nécessaire et qui est un prérequis avant de formater des commentaires. Je pense qu'il faut chercher à se mettre dans une bonne position et posture pour les recevoir et pour les écrire. Donc, je voudrais vous parler de l'egoless programming. Donc là, à ce moment-là, je sais ce qui vous traverse tous l'esprit. Non, ce n'est rien à voir avec les golas. On parle bien de l'egoless programming, et ce n'est pas non plus les Lego, parce que je sais que vous en avez fait. On parle de l'ego, le sujet pensant, donc c'est le moi. Et donc, l'egoless programming, c'est chercher à avoir un ego qui a moins d'impact sur nos interactions et nos comportements avec tous nos collègues. Vous allez me dire, sacré programme, oui. Monsieur Weinberg a écrit un livre en 1971 où il propose donc cette posture qui donc pousse à minimiser les facteurs personnels, donc dans l'objectif d'améliorer la qualité globale du code, et tout ça en émettant des critiques respectueuses, collégiales, où on essaye de mettre les sentiments de côté. Pour ça, donc, il y a une dizaine de commandements. On n'a pas le temps de tous les voir. J'en ai pris certains, ceux qui me semblaient être parmi les plus intéressants, on va dire. J'ai gardé la langue originale pour le commandement, mais on va en parler en français. Comprenez et acceptez que vous ferez des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est d'ailleurs un peu la base de l'apprentissage. On apprend en faisant des erreurs, et la fois suivante, on en fait peut-être moins, etc. Essayer de l'accepter pour soi, c'est déjà avoir plus d'empathie envers soi-même, et puis c'est aussi peut-être plus facile d'accepter les erreurs de la part des autres au moment où on fait nous-mêmes des revues de code. Vous n'êtes pas votre code. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que le code que vous écrivez un jour, quand vous repassez dessus 6 mois plus tard, vous vous dites que vous pourriez faire mieux aujourd'hui, parce qu'entre-temps, vous avez appris. Vous n'êtes pas non plus la user story que vous écrivez ou la documentation. De toute façon, le code appartient à l'équipe ou à l'organisation pour laquelle vous travaillez. L'objectif est d'améliorer ce code. Toutes les critiques qui sont faites à son encontre ne vous concernent pas, mais visent à améliorer le code et à diminuer tous les risques de bugs, etc. Si on trouve des choses à améliorer, c'est plutôt positif pour tout le monde finalement. Egoless ne signifie pas ne pas du tout avoir d'ego. Ce n'est pas vraiment le cas. On peut se battre pour ce qu'on croit, mais on va aussi accepter la défaite. C'est-à-dire que si on a une solution technique, une bonne idée d'implémentation qu'on veut pousser, si ce n'est pas le choix retenu par l'équipe, il faut aussi essayer de l'accepter et de continuer à travailler dans la bonne humeur.
Alors, ce commandement ferait un peu une guise de conclusion pour les Goalless Programming. On critique le code plutôt que les personnes. On va être sympa avec le codeur, mais pas avec le code. Donc, on va chercher à tout prix à améliorer le code, tout en respectant la personne qu'il propose, selon son contexte, où est-ce qu'elle en est dans sa progression, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va chercher à ne pas laisser notre ego nous contrôler. En groupe, on produira les meilleures choses et on produira le plus de qualité possible. Et en cherchant à faire preuve d'empathie envers toutes les personnes de notre équipe, on grandit nous aussi. Donc, il y a beaucoup de commandements. Vous avez la liste ici, on n'a pas le temps de tous les voir. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers cette conférence d'Olivier Tulu qui a eu lieu à Mixit, où là, il a 50 minutes pour en parler et approfondir le sujet. Donc, je vous renvoie vers son excellente conférence. Et une conférence de Kim Leitrin, qui est absolument, j'ai trouvé très intéressante. Il est lead et en fait, il a réussi à faire l'exercice de s'autocritiquer sur ses revues de code parce qu'il s'est rendu compte que même s'il voulait faire son mieux, il a parfois manqué d'empathie et ses revues de code ont petit à petit modelé aussi un projet qui ne ressemblait peut-être pas à toutes les personnes de l'équipe. Donc à voir, en plus, c'était au forum PHP, donc parfait. Alors, maintenant qu'on a une posture où on essaye de mettre les sentiments de côté et de voir les choses positivement, on va chercher à formater nos commentaires. Pour préparer cette conférence, j'ai demandé à mon réseau s'ils avaient reçu des exemples, enfin des commentaires qui les avaient un peu blessés, vexés. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup, dont certains qui étaient intentionnellement mal intentionnés, vraiment très violents. Évidemment, on ne va pas en parler là parce qu'ils n'ont pas leur place dans le milieu professionnel. Et j'en ai reçu d'autres qui... On ne sait pas trop, on n'a pas le contexte. On peut se poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on a? Poubelle, c'est mon préféré. Oh my God, mal écrit. Tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode? Donc, tous ces commentaires hors contexte peuvent... peut-être nous blesser. Ils peuvent paraître secs, ils n'ont pas de contexte, on ne sait pas trop. On peut être tenté de rajouter des emojis pour rendre les choses plus douces et puis donner l'intention. Poubelle avec un smiley, oh my god avec un petit cri, mal écrit avec un picto, et tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode avec quelqu'un qui se pose la question. Alors, personnellement, poubelle avec un sourire, je casse tout si je reçois ça. J'ai un peu forcé le trait, c'est pour vous dire aussi que les emojis sont interprétables et que selon le moment de la journée, on va plus ou moins bien les recevoir, évidemment. On peut faire mieux si je vous propose poubelle avec un préfixe, suggestion. Peut-être que là, c'est un peu plus doux. Un praise, qui veut dire éloge pour oh my god, on change complètement de signification, on n'est plus sur une critique négative, mais on est sur quelque chose d'élogieux. Nitpick, qui veut dire tatillonner, mal écrit, donc là, la personne peut reconnaître que c'est vraiment pour chercher la petite bête. Et puis, la question pour « tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode ?» Et donc, là, le préfixe « question » nous ramène vraiment à une pure question de mentorat, de volonté, de formation, et change aussi radicalement la portée du commentaire. Donc voilà, vous m'avez vu venir, le standard propose de formater ses commentaires selon une certaine façon de faire. Donc en premier, un label obligatoire qui va nous indiquer le contexte du commentaire. On a ensuite des décorations qui sont optionnelles, mais quand même les bienvenues, qui peuvent être bloquants, non bloquants, security par exemple, si ça a trait au contexte de la sécurité, ou des tests. On a le sujet qui est le commentaire en lui-même, évidemment, donc c'est ce qu'on veut dire à la personne. Et puis, en optionnel, la discussion, donc c'est tout ce qui va ouvrir à l'explication, qui va permettre à la personne d'exploiter les indications que vous lui donnez pour résoudre la situation. Ça peut être un patch, une proposition de code qu'on peut committer directement, des liens vers de la doc, une explication un peu plus fouillée, bref, tout ce qui vous semble être intéressant pour mentorer, aider la personne à avancer dans la résolution du sujet. Des labels, il y en a beaucoup proposés par le standard. Bien évidemment, si vous souhaitez adopter ce standard, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. On a pris, par exemple, l'éloge. On va chercher à souligner quelque chose de positif. Bien évidemment, on reste au premier degré, sinon
on perd notre posture d'égolesse, n'est-ce pas? Les suggestions, donc ça c'est un peu la majorité des commentaires qu'on peut laisser. Donc on propose des améliorations au sujet justement qu'on débat. On va chercher à être le plus explicite possible et clair, bien expliquer pourquoi il s'agit d'une amélioration. On va proposer, comme je le disais, des patchs et puis des décorations blocking, non-blocking, pour que la personne sache si c'est prioritaire et à quel point ça doit être résolu rapidement. On a les issues, donc ça, c'est les bugs. Très important de trouver les bugs avant de les mettre en prod, je le rappelle, bien sûr. Donc, on va chercher à mettre en évidence les problèmes qu'on a vus. Peut-être qu'on a la connaissance fonctionnelle, métier, que la personne n'a pas. Et donc là, en principe, hein, l'issue, elle est toujours bien couplée avec une suggestion pour amener à la résolution du bug. On a les pensées. Donc ça, ce sont toutes les idées qui nous viennent quand on fait la revue de code et qui ne sont pas des choses à résoudre dans la feature sur laquelle on est actuellement, qui peuvent faire lieu d'un point dans une réunion technique ou quoi. Donc, ce n'est pas bloquant, c'est extrêmement précieux parce que ça peut mener à du mentorat, à de l'amélioration globale. Donc ça, c'est des commentaires très, très importants. Pourquoi je pense que grâce à ce standard, on souffre moins? On a une meilleure compréhension grâce au label. On a un retour qui est beaucoup plus lisible. On a du contexte aussi qui nous dit si le fixe doit être fait immédiatement ou pas. On va aussi limiter les quiproquos, on va plus poser la question du ton qui a été employé, et puis on va peut-être moins perdre de temps sur un commentaire qui n'est pas bloquant, peut-être. Et on va limiter les mauvaises impressions. Et notamment, on va réfléchir à l'intention de notre commentaire avant de le publier. Donc on va se demander dans quelle catégorie est-ce qu'il rentre. Est-ce qu'il est vraiment professionnel? Est-ce qu'il est utile à la personne? Et parfois, on peut même s'auto-censurer. Ceci est un conseil pour toute la vie en général, de toute façon. Je repense à la conférence de Robin et des tweets. Pensez-y. Un exemple, donc là, on reprend notre poubelle. Ici, on a donc le préfixe nitpick. On indique que c'est non bloquant. On a l'explication, donc là j'ai pris un exemple vraiment idiot. Et puis on a un patch qui peut être commité directement. Le nitpick, donc tatillonné, mal écrit, mais c'est la même chose, on reprend le préfixe. Est-ce que c'est blanco ou non? Et on indique quel est le sujet dont on parle. Ici, une typo, ça arrive. Vous allez me dire, c'est trop long, tout préfixé, c'est trop fatigant, moi j'ai pas le temps, déjà je fais plein de revues de code. C'est vrai, mais heureusement, GitHub est là pour vous. Vous pouvez sauvegarder des templates de réponses qui vous permettent d'y accéder rapidement et donc voilà, de préformater vos réponses. Vous pouvez utiliser des extensions qui existent, je ne les ai pas testées personnellement, mais ça existe. Et puis tout simplement aussi, vous pouvez vous approprier la méthode. Peut-être que votre équipe n'a pas besoin d'utiliser le standard en entier. Peut-être que votre équipe a besoin de quelques ajustements, par exemple de notifier quelle est l'urgence. Je vous renvoie à un excellent article de Camille Regnault, de la communauté de Ruby on Rails, qui a écrit un article sur la façon dont son équipe utilise ce standard avec des emojis. Donc eux, ils ont choisi des emojis qui traduisent à la fois l'intention et puis l'urgence. Par exemple, le petit peanut, si vous avez une review avec 30 commentaires peanuts, bon, bah, vous pouvez vous dire que l'urgence n'est pas folle, mais si vous avez des commentaires préfixés par des petites alertes ou des flammes, vous pouvez penser que bah, là, il faut s'en occuper prioritairement. L'impact sur l'onboarding, pour ma part, dans mon équipe, a été très, très positif. J'ai pu avoir un focus sur ce qui était prioritaire, notamment quand on arrive dans un nouvel environnement avec plein de choses à apprendre. J'ai pu savoir tout de suite ce qui était bloquant ou non. Je n'ai pas eu de questions à me poser sur le ton que mes collègues employés pour me parler ou moi-même avec lesquels je m'exprimais. J'ai eu des retours utiles et exploitables pour progresser sur la connaissance du fonctionnel et puis des standards aussi de l'équipe. Donc, j'ai trouvé ça absolument très positif.
Il y a plein d'autres bonnes pratiques d'onboarding. Il y a évidemment plein de choses dont on m'a parlé quand je préparais ma conférence. On peut donner une petite première tâche à faire à la personne pour se familiariser avec le workflow. Par exemple, rajouter son nom dans une liste de prénoms. On peut aussi avoir un buddy, donc une personne qui nous est attitrée au début quand on entre et avec qui on peut faire les premières revues de code en direct à l'oral et pas par écrit. Amélie, hier, nous a parlé notamment de ses bonnes pratiques dans sa conférence, ça rejoint ça. Et puis, on peut aussi chercher à avoir plus d'interactions humaines. Par exemple, quand les commentaires commencent à s'empiler, en général, c'est vrai que le bon réflexe, c'est d'aller voir les personnes pour en parler. Alors, si vraiment on souffre, c'est sûr que les conventional comments pourront rien pour vous parce que ce n'est pas un standard qui va résoudre les problèmes humains dans l'équipe si les revues de code se passent mal. Que je vous renvoie à la première partie de cette conférence où on parle de posture. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aux chats qui ont participé malgré eux. Et merci à mon équipe. Merci beaucoup à l'équipe d'Epixou qui m'a si bien accueillie chez Bedrock. Si vous voulez parler des revues de code, vous pouvez me retrouver sur le stand Bedrock après la pause déjeuner. Bref, cherchez-moi. Merci beaucoup des feedbacks.